En 24 heures, Thomas Markle a changé d'avis, il souhaite se rendre au mariage de sa fille. Après avoir annoncé il y a 24 heures qu'il ne se rendrait pas au mariage de sa fille, Thomas Markle, le père de Meghan Markle a annoncé, ce mardi 15 mai, que finalement il souhaitait assister au mariage royal, ce samedi 19 mai. Dans un entretien accordé au site américain TMZ, le père de la mariée assure avoir changé d'avis après avoir reçu des messages de sa fille. « Bien sûr, je l'accompagnerai jusqu'à l'hôtel, c'est un moment historique et j'aimerais faire partie de l'histoire. » Seul problème, l'état de santé de Thomas Markle pourrait l'empêcher de se rendre au Royaume-Uni. Victime d'une crise cardiaque il y a quelques jours, le père de Meghan Markle n'est pas certain d'obtenir le feu vert des médecins. Il raconte à TMZ qu'il leur a demandé de pouvoir sortir de l'hôpital ce mercredi 16 mai mais les médecins n'ont pas encore décidé s'ils lui accordaient cette sortie anticipée. Je déteste l'idée de manquer l'un des plus grands moments de l'histoire et de pouvoir conduire ma fille jusqu'à l'hôtel, a-t-il déclaré. Pour rappel, ce lundi 14 mai, Thomas Markle avait annoncé qu'il ne viendrait pas au mariage de sa fille. Cette annonce avait fait l'effet d'une bombe à Kensington Palace et des sources proches de Meghan Markle et du prince Harry confiaient que la mariée était dévastée par cette annulation. On your